des textes de la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons ouvrir nos Bibles et lire Actes des Apôtres chapitre 14, du verset 8 au verset 10. On va faire la lecture ensemble. Actes des Apôtres, le chapitre 14, verset 8 à 10. On y va, 1, 2, 3. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, parle-nous par ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Alléluia. Alors, ce matin, je vais te parler. On va aborder notre thème. Ce sera donc cinq types de foi. Cinq types de foi spécifiques. Le thème est un peu long. Cinq types de foi spécifiques pour saisir cinq types de grâce. Amen. Hier, quand j'ai prêché là-dessus, parce que je vais l'aborder différemment, j'ai dit cinq types de foi. En fait, je vais commencer par deux types de foi. Au début du message, je vais faire deux types de foi spécifiques. En cours du message, j'ai augmenté le type de foi. Jusqu'à ce que je suis arrivé à cinq. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire les cinq aujourd'hui, mais en tout cas, et peut-être même qui sait, peut-être qu'ici on a commencé, on va dire 5, mais on va faire 7, 8 types de foi spécifiques. Alors les mots qui sont particuliers dans ce thème, c'est que c'est l'expression la foi spécifique, la foi spécifique. Amen. Et puis la particularité que je vais aborder donc ce matin, c'est la grâce. Amen. Les types de grâce. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi je parle de grâce? Parce que c'est notre thème de ce mois avec le boost, sagesse pour multiplier ses grâces. Donc nous sommes dans l'année du overflow, dans l'année de l'abondance. Amen. Que l'abondance divine soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Et donc mon message est tiré de ce livre. Je te conseille de le prendre et de le méditer à l'intérieur de ce boost, parce qu'en fait, celui du mois prochain aussi, c'est la suite. Ok, c'est la suite de celui-là. Donc on sort les boosts, donc ces ouvrages deux par deux sur un thème donné, même si le thème est reformulé. Mais c'est le but de ce message, c'est de vous faire passer à l'abondance de Dieu, à tout ce qui abondonne, déborder des grâces et des faveurs de Dieu. Que la grâce divine déborde dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc mon message est tiré de ce thème. Il y a des points que je vais prendre qui seront dans l'ouvrage suivant, et il y en a d'autres qui sont dans celui-ci. Amen. Et je l'associe aujourd'hui avec celui-là, le boost du mois précédent, qui avait pour thème renverser les hôtels d'appauvrissement. Ok? Donc, l'hôtel d'appauvrissement, c'est-à-dire ce qui rend pauvre. Comme on est dans l'année de l'abondance, ce qui rend pauvre, ce sont aussi des voix que l'on entend, des idées qui montent dans la tête, qui sont souvent créées par quelque chose de fixe. Quand quelqu'un persiste dans la pauvreté, quand la pauvreté est très collée à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui détruit ta foi. Ce sont des voix que tu entends, parce que la foi est créée par ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, il y a des choses, des idées qui te viennent. Tu crois que c'est Dieu qui te parle, non, que c'est toi-même, ce sont tes propres pensées. Mais les idées te sont insérées. Une des particularités des esprits, que ce soit les bons esprits ou les mauvais, ils ont la capacité de te donner une pensée, et tu peux même penser que c'est la tienne. Ok? Et lorsque tu développes certains types de pensées, ça va engendrer dans ta vie systématiquement la pauvreté, la perte de tes activités, l'échec dans ta vie et la destruction. Donc lorsque ces voix-là sont répétitives, elles sont engendrées par ce qu'on appelle des hôtels qui peuvent être basés depuis ton enfance, qui ont été constitués à un moment donné de ta vie. Et ces derniers mois, on a appris à renverser ce type d'hôtel-là. Mais quand vous les renversez, vous devez bâtir absolument des types d'hôtels qui vous prophétisent, qui annoncent ce que Dieu va faire avec vous. Alléluia.
Et c'est là qu'on a commencé à développer la foi. La foi, hein? Amen, c'est ce qui permet d'entendre régulièrement la voix de Dieu et de posséder les choses que Dieu te donne. Tu les possèdes au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne et amen pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais parler aussi de la foi. Amen. Pourquoi je vais te parler de la foi? La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. On lit Éphésiens 2, 8. D'accord? Éphésiens 2, 8. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Romains chapitre 5, verset 2. Romains chapitre 5, verset 2. Alors, si tu remontes au verset 1, tu vas savoir à qui là, qui nous devons. C'est Jésus-Christ. Amen. Au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2 maintenant. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Donc, il dit, nous avons eu accès à la grâce par la foi. Nous avons eu accès à la grâce par la foi. Amen. Et Éphésiens 2, 10 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si tu es sauvé d'une maladie, c'est que Dieu t'a visité par une grâce, la grâce de la santé. Mais la manière dont tu as saisi la grâce de la santé, c'est au moyen de la foi. C'est au moyen de la foi qu'on saisit la grâce du salut. Dieu envoie des grâces. Les grâces sont indispensables dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu t'envoie la grâce. Dieu t'envoie la grâce. Amen. Et je me suis rendu compte que beaucoup de grâces ont été accordées, mais les hommes n'arrivent pas à les saisir par la foi. Qu'aujourd'hui, Dieu t'accorde la foi spécifique. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Et bien sûr, comme d'habitude, nous allons développer cela en mode teach and pray, c'est-à-dire j'enseigne et puis j'enseigne des portions et on prend le temps de prier par rapport à la portion. Lorsqu'on prie pour une portion du message, prends le temps d'être concentré dans la prière parce que ça permet à Dieu de télécharger cette aptitude, cette capacité dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et le message que je vais partager fait partie de ce que j'ai traité la semaine dernière de la révolution spirituelle. Donc, je suis toujours dans la même dynamique de la révolution spirituelle. Amen, amen, amen. J'avais terminé notre sujet de la semaine dernière avec des éléments je parlais de l'homme spirituel, qu'il faut être des gens spirituels. La foi, c'est quelqu'un qui marche dans la foi, c'est un homme qui est spirituel. Soit une femme spirituelle, soit un homme spirituel. Alléluia. Et je te lis ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il est dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu t'a donné le Saint-Esprit afin que tu puisses connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Écoutez, Dieu fait toutes choses par sa grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Alléluia. Amen. Alors, nos textes a commencé, le premier texte a commencé par des Apôtres chapitre 14. La Bible dit que Paul était en train de prêcher. Il prêchait et pendant il était dans la ville de Lys. Et pendant qu'il parlait, il y a un infirme, un paralytique qui l'écoutait. Dis avec moi, écoutez. Il écoutait attentivement. Et puis, à un moment donné, Paul l'a regardé fixement et il a observé quelque chose. Il a observé que ce paralytique avait la foi pour être guéri. Dis avec moi, la foi. Pour être guéri. Je ne vous sens pas bien ce matin. Hein? On devrait me fatiguer. Je crois que je vais bien expliquer à cet âge-là. Ici, il y a la foi. Bon, c'est un petit noyau. Bon, je m'en vais voir ici. Et ce côté, j'ai quelque chose à télécharger. Donc, je vois les gens prêts à recevoir le téléchargement.
les porteurs de vie. Ah, ce quartier, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Que la grâce soit multipliée. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce passage nous dit que l'apôtre Paul, en observant, c'est-à-dire il y avait quelque chose de visible dans l'attitude du paralytique. Il dit qu'il a vu, en l'observant, que le monsieur avait la foi pour être guéri. Amen. Et l'esprit a attiré mon attention que chaque type de foi se manifeste. C'est-à-dire que se manifeste d'une certaine façon. Lui, il n'avait pas la foi pour devenir riche. Ce qu'il avait en ce moment précis là, c'est la foi pour être guéri. C'est pourquoi j'appelle ça des fois la foi spécifique. C'est-à-dire la foi pour recevoir quelque chose de très particulier. Amen. Il avait la foi pour être guéri. Et l'expérience dans la vie chrétienne m'a montré que tous les chrétiens et les hommes, en fait, ils ont de la foi. Mais ils ont de la foi pour certaines choses spécifiques. J'ai rencontré des personnes, malgré, dernièrement, par exemple, j'ai parlé avec une dame, elle a perdu le travail. Mais quand je l'ai vue, je dis, je voudrais prier pour toi, ma fille. Je dis, et pour le travail? Elle dit, non, c'est même pas la peine. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, que le travail, c'est pas un problème. Elle sait qu'elle va travailler. Elle sait. Ça dit, non, elle a eu le travail. Ça dit, j'ai vu que, je dis, ah, cette femme-là a la foi pour ne pas chômer. Ça dit, pour toujours avoir du travail. Mais elle n'est pas mariée. Je me suis rendu compte que elle avait la foi pour travailler. Même, c'est une femme même qui a la foi pour être riche. Mm-hmm. Elle a la foi. Ce paralytique avait la foi pour guérir. Et elle, cette femme, j'ai vu qu'elle avait la foi pour être riche. Mais elle n'avait pas la foi pour se marier. Parce qu'elle dit, ton sujet, papa, je vais me marier. Amen. Alléluia. Donc, elle n'avait pas la foi pour se marier, mais elle avait la foi. Et il y a des personnes qui ont la foi, qui ont des fois simples, ils savent qu'ils n'ont pas de problème avec l'histoire de loyer. Ils savent qu'ils vont tout le temps payer le loyer. Il y en a d'autres qui n'ont pas la foi du loyer. Amen. Ils n'ont pas la foi pour le loyer. Il y en a d'autres qui n'ont pas la foi. En fait, chaque domaine de la vie a besoin d'une foi. Si on dit qu'il avait la foi pour être guéri, l'apôtre ne dit pas, j'ai vu que ce monsieur avait, il avait une grande foi pour tout. Il n'avait pas une foi pour tout. Si nous sommes là, c'est que nous avons eu la foi pour aller au ciel. Nous avons eu la foi pour être sauvés. Mais je me suis rendu compte que la foi pour aller au ciel est différente de la foi pour être riche. Amen. Ou bien, la foi pour être sauvé est différente de la foi pour se marier. Ce monsieur-là, il avait la foi pour être guéri. L'apôtre Paul dit, il dit, il a observé et il a vu qu'il avait la foi pour recevoir la guérison. Donc la foi nous permet de recevoir certaines choses. Et ce matin, je vais te parler de 5 types de foi. Sinon, à l'origine de mon message, je voulais parler seulement que de 2 types de foi spécifiques. Amen. La foi, donc hier quand j'ai prêché, j'ai parlé de la, comme j'étais au samedi des miracles, j'ai parlé de la foi pour être guéri. Donc quel type de foi? Qu'est-ce que Paul a vu? Et puis il dit, lui, il a la foi pour être guéri. Amen. Qu'est-ce que Dieu voit pour dire, toi tu as la foi pour voyager? Qu'est-ce que Dieu voit? Et puis il dit, toi tu as la foi. Que Dieu puisse voir ces choses-là dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc hier j'ai enseigné la foi pour être guéri. Donc, je ne sais pas si je vais la développer aujourd'hui. Amen. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit pour dire que tu as la foi pour être guéri? Parce que Paul a vu quelque chose. Et puis, il dit, ah, il a regardé, il a dit, ah, lui là, il a la foi pour être guéri. Et puis, il a vu de l'autre côté, il a dit, ah, lui, il a la foi pour être sauvé, pour croire en Jésus. Il a dit, ah, voilà. Donc, il y a différentes fois spécifiques. Et puis, je vais te parler aussi de la foi, dans les 5 types de foi spécifiques, la foi spécifique pour avoir, pour être riche. Qui veut cette foi-là? Bon, je m'arrête. La rangée qui m'a attiré, je vais rester là. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Amen. Regarde, si tu es un chrétien, Dieu fait tout. Si tu es un chrétien,
depuis des années, tu es dans la galère. Je t'assure que tu n'as pas la foi pour être riche. Tu as la foi pour vivre une vie toute suffisante. C'est-à-dire, tu as ce qui te suffit. Il y en a qui ont la foi. C'est-à-dire, il ne manque pas de quelque chose, mais ils ne sont pas prospères. Ils ont la foi. C'est une bonne foi aussi. Que Dieu te bénisse dans cette foi-là. Non, moi-même, j'aime cette foi-là. Amen. Il faut l'avoir. Alléluia. Mais il y a un type de foi pour prospérer. Il y a un type de foi pour avoir plus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Donc, je vais parler de cela. Hier, j'ai parlé encore de quel type de foi. Quel témoignage? J'ai parlé de la foi du mariage. Il y a la foi pour être marié. Je connais des gens qui ont la foi pour prospérer. C'est-à-dire, tu vois, dans toutes ses affaires, elle prospère. Mais pour se marier, là, elle n'a pas la foi. Et même dans la foi du mariage, j'ai vu qu'il y a différents types de foi. Quand vous êtes une jeune personne qui avait 20 ans, le type de foi d'une femme qui se marie vers 25 ans est différent de la foi. Parce que pour se marier après 50 ans, là, frère, ce n'est pas la même foi. Il y a une foi pour se marier après 50 ans. Si tu as 60 ans, c'est pas sûr que tu n'as pas besoin de la foi de la jeune fille. Parce que vers 25 ans, ton mariage, le fait que tu intéresses les hommes là, c'est assuré. Donc, c'est très facile de développer la foi du mariage vers ces âges-là. Mais quand tu commences à passer un certain type d'âge, il faut de la foi. Amen. Si il faut de la foi, on n'a pas besoin d'une très grande foi, une foi spécifique, pour avoir un enfant quand on est dans sa période où on est fécond. Mais lorsque tu n'as pas d'enfant et que tu as passé 40 ans, tu commences à dire, est-ce que j'aurai encore un enfant? Là, il te faut la foi pour avoir des enfants. Et ce n'est pas le même type de foi. Alléluia. Donc, je dirai des exemples sur la foi pour se marier. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut cette foi-là ici? Qui veut la foi pour se marier au-delà de 50 ans? N'ayez pas peur, on est dans la présence de Dieu. Reçois cette foi-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors écoutez très bien ce message, parce que quel que soit le type de foi dont vous avez besoin, alors qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Pourquoi la foi est importante? La foi nous permet de saisir les grâces. La grâce, c'est la pluie que Dieu envoie du ciel. Quand nous prions, quand nous avons de l'espoir, Dieu pourvoit, Dieu envoie. Mais je vous ai dit, il y a une foi de réception. Dieu peut m'envoyer sa grâce. La Bible dit ceci, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent, là, il y a la réception. Quand Paul était en train de prêcher, il a vu que Paul transportait la grâce de la guérison. Mais dans toute la foule qui était en train de le suivre, il y avait un en particulier qui avait la foi, qui pouvait accueillir la guérison que l'apôtre Paul était en train de transporter. La grâce pour les guérir était là. En Christ, vous avez tout. La grâce pour prospérer, la grâce pour être épanoui, la grâce. Dieu donne les grâces, il fait tomber sa pluie, même sur les mauvais et sur les bons, dit l'Écriture. Je me suis rendu compte que ceux qui prospèrent, même étant païens, ils ont la foi pour prospérer dans les domaines. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Dieu ne va pas vous donner les choses parce que simplement vous êtes chrétien. En fait, il vous les donne parce que vous êtes chrétien. En Christ, la grâce vous donne tout. Mais allez-vous les recevoir. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu a donné, mais est-ce que tu l'as reçu? C'est ceux qui reçoivent la grâce du salut. Mais ceux qui ne le reçoivent pas, ne reçoivent pas la grâce du salut. Jésus envoie la guérison. Christ, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dieu a donné la guérison. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut que tu la saisisses par la foi. La foi est le moyen de saisir les différentes grâces que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est que la foi? D'abord, avant de conduire, on va prier pour ce sujet. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, accorde-moi la foi pour des grâces spécifiques. Je veux que tu sois très spécifique parce que c'est 5 types de foi spécifiques.
Je sais que les grâces sont multipliées. Il y a la grâce dans tous les domaines. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par sa grâce. Mais actuellement précis, tu as besoin de quel type de grâce? Qui a besoin de la grâce de la santé? Ok? Qu'aujourd'hui le Seigneur t'accorde, car Christ est l'auteur et celui qui amène la foi à la perfection, qu'il t'accorde de comprendre et d'appliquer la foi pour recevoir la santé de Dieu. Qui veut la foi pour se sortir d'une dette? Qu'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu qui crée la foi, dans le livre de Hébreux chapitre 12, il a dit que Jésus-Christ est l'auteur et celui qui amène la foi à la perfection, qu'il te donne la foi pour recevoir sa faveur qui vient te faire sortir de la dette. En Christ, nous avons toutes sortes de grâces. Qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Qui veut la foi pour devenir riche? C'est tout le monde. Bon, ceux qui veulent, tenez-vous debout. Amen. Qu'aujourd'hui, que tu aies, que tu possèdes la foi qui va te faire prospérer. La foi qui... En fait, c'est Dieu qui te fait prospérer. Amen. Mais c'est la foi spécifique, c'est la foi qui va saisir la prospérité que Dieu t'envoie. Dieu te l'a déjà envoyé, mais il faut la foi pour la prendre. Seigneur, étends ta main et donne-nous aujourd'hui, toi qui crées la foi, donne-nous la foi pour recevoir la grâce de prospérité que tu nous accordes. Ensemble, élevons nos voix et chacun va prier par rapport au type de foi spécifique dont il a besoin pour recevoir la grâce de Dieu. Dieu donne, mais c'est nous qui ne recevons pas. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc, tout a été accompli. C'est à nous maintenant de saisir. Élevons la voix et prions. Chacun demande à Dieu, Père, viens au secours de ma foi. Donne-moi la foi spécifique pour recevoir. Donne-moi la foi spécifique pour recevoir. Brenda sorobara la kota rababrada serebara la ka. Rai de serebrada slorianta rababrada sorobara la ka. Reda brada sorobara la sonta rababrada slarianta lababu. Brenda brada sorobara la clorianta rababrada slarianta la. Raba brada soro bara la clarian da bradas lorian da bradas larian da bradasu Laba da badas lorian da bradas sata la babu Roda brada soro bara la clarian da raba baba baba shek Roda brada lorian da raba brada soro bara la canta raba bru Reda brada sara bara la clorian da raba ba Rada brada soro bara la clarian da raba brada siri bara la cla Lata la babus Reda brada soro bara la clarian da raba brada soro bara la clarian da la baba. Reda brada soro bara la sota la brada slorian da raba brada sentele debo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie afin que tu crées en nous la foi spécifique pour recevoir ce que la foi pour être utilisée par toi, la foi pour devenir un instrument entre tes mains, la foi pour prospérer, la foi pour bâtir, la foi pour construire. La foi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 10, que, donc comment on crée ce type de foi? Ce que je donne d'abord, ça c'est le principe général. Et puis après je vais donner des exemples spécifiques en ce qui concerne à peu près 5 types de foi, en tout cas selon les exemples de foi que Dieu va me donner. Amen. En Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, « Or la foi, ainsi la foi, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Hébreux chapitre 12 nous dit que Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Amen. Sans la foi spécifique, tu ne peux pas recevoir la grâce qui t'est accordée dans ce domaine spécifique. Tu ne recevras que le type de grâce que ta foi à développer. Amen. Mais la Bible dit de recevoir les grâces surabondantes. Donc tu dois pouvoir être capable d'élargir ton champ d'action de foi, développer plusieurs types de foi. Alors comment est-ce qu'on développe? Amen. Et là, ça va nous amener à revenir à ce boost, le boost du mois dernier. Amen, amen, amen. Donc particulièrement le jour 25. Où il est parlé de l'assurance de la foi. Ok? D'abord, il faut savoir, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous avez vu le malade qui était guéri. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il écoutait Paul. Donc, la foi est déclenchée
par les choses que tu écoutes. Le type de foi spécifique est déclenché par ce que tu écoutes. Lorsqu'on va en croisade et qu'on veut que les gens aient la foi pour recevoir leur miracle, je fais passer des vidéos et je raconte des témoignages de Jésus qui guérit. Vous me suivez? Je raconte les témoignages de Jésus qui guérit. Si tu entends Jésus qui guérit et que tu restes dans l'atmosphère de Jésus qui guérit, ça va développer en toi la foi de la guérison. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Si tu veux développer la foi pour te marier, il faut que tu écoutes Jésus parler du mariage et de la bénédiction qu'il donne dans le... Il faut que tu restes, pas que tu viennes à l'église et puis que tu écoutes et puis ah, je vais me marier, c'est tout. Non, il faut que tu sois trempé parce que la foi naît des choses qu'on entend. Elle naît des choses qu'on entend. Amen. Alors, les choses qu'on entend viennent agir sur... On a parlé de 5 déterminants de la foi. Qui peut rappeler les 5 déterminants de la foi? C'est quoi? L'espérance, l'assurance, la démonstration, l'imagination, la fermeté. Il y en a d'autres qui sont largués. Ils disent, ouais, moi j'ai dû oublier. C'est parce que tu ne lis pas. Deux, c'est parce que tu ne te souviens pas du message de la dernière fois. Parce que les pasteurs l'ont prêché ici. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, là, ce qu'on entend vient travailler deux choses. Ça vient travailler ta fermeté et ça vient travailler le déterminant de ton assurance. Comment tu sais que tu n'as pas assez écouté les témoignages dans ton domaine? Comment tu sais que tu n'as pas encore la foi dans un domaine spécifique? Ça se joue au niveau du déterminant de l'assurance. Tu n'es pas serein dans le sujet. Tu n'es pas calme. Tu n'es pas serein. Vous voyez la soeur à qui j'ai parlé, je lui ai dit, pour le premier travail, elle dit, papa, ce n'est pas mon sujet. Parce que si ce travail-là, elle avait de l'assurance, elle était sereine. Ce sur quoi tu n'es pas serein, c'est l'élément qui te montre que tu n'as pas la foi pour avoir cette chose-là. Est-ce que vous me donnez? Amen. Amen. Alléluia. Si quand tu penses à ton propriétaire qui va venir prendre le loyer, tu n'es pas serein. Non. C'est que tu n'as pas la foi. Je t'assure, la grâce que Dieu t'envoie pour payer ton loyer, là, tu ne vas pas la recevoir. Parce que tu n'as pas la foi pour payer ton loyer. Comment tu sais que tu n'as pas la foi? Ton cœur commence à paniquer à l'approche de l'échéance. Donc, le manque de sérénité est une preuve, te démontre que tu n'as pas la foi spécifique dans ce domaine-là. Tous les sujets pour lesquels tu es en repos, c'est que tu as la foi pour ça. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Amen. Ton enfant prend la drogue et tu es en train de prier pour lui. Tu veux qu'il revienne. Ok. Comment je sais que tu n'as pas la foi pour le ramener à la... Parce que quand tu pries, tu pleures beaucoup et tu paniques. Seigneur, mon enfant, faut pas que quelque chose lui arrive. Tu es toujours dans la panique. Ta prière est bonne. Mais elle, tant que tu ne rentres pas dans la sérénité, tu n'as pas l'assurance. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, dans la foi, quand on a la foi, non, on a une sérénité. Il te faut créer la sérénité pour développer la foi spécifique à ce sujet. Est-ce qu'on... La sérénité n'est pas la persuasion. C'est-à-dire que, vous voyez, il y en a qui veulent pour développer la sérénité, eux-mêmes, ils font de l'autosuggestion. Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Mais dès que tu apprends qu'il est encore sorti, tu commences à pleurer. Dieu, quel jour tu vas m'associer? Quel jour tu vas m'associer? Tu n'es pas dans le repos en ce qui concerne ton enfant. Tu n'as pas la foi spécifique pour le sauver. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu sais que tu n'as pas la foi spécifique pour devenir riche. Parce que quand tu penses aux ressources financières que tu dois recevoir, ton esprit va directement sur des gens. L'assurance est basée sur le skill. Ça veut dire que, comment je sais que tu ne vas pas le marché là, tu n'as pas la foi pour l'avoir. C'est ça? C'est comment tu sais que tu n'as pas la foi pour l'avoir? Parce que quand tu penses au marché, tu réfléchis à ton beau-frère,
Ben, le beau-frère connaît le directeur du trésor qui lui. Donc quand tu pries, tes yeux florent du côté de ton beau-frère. Donc ça, ce n'est pas de l'assurance. C'est une forme d'autoconviction te disant que comme je connais quelqu'un, ce n'est pas la foi de Dieu. Ça, c'est la foi dans ton beau-frère. Ce n'est pas la foi que Christ fabrique là. Non, non, non. Ça, c'est la foi dans le beau-frère. Ce qui fait que... Bon, si tu veux, ce n'est pas ton beau-frère, tu veux prendre Guy. Amen. Ton oncle, peu importe la personne. Mais quand tu penses que tu vas être riche parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner un marché dans une entreprise, tu n'as pas la foi de Dieu. Tu as la foi parce que c'est ton oncle qui signe les papiers. Ça là, c'est une foi de galère. Parce que le jour où on va l'enlever, le jour où ta boîte va fermer. Ok? Ça, c'est pas la richesse de Dieu. Il faut changer ça. Il faut te repentir. Amen. C'est-à-dire, le jour où on a nommé ton grand frère ministre, tu as esquissé un sourire. Tu dis, la galère est finie. Alléluia. Les marchés vont pleuvoir. Ça là, c'est pas la richesse qui vient de Dieu. Celle-là, ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de l'assurance. Ce sont des relations. Et ce n'est pas la bonne assurance parce qu'elle l'a. Donc, il y a des types d'assurances que vous avez qui ne sont pas les assurances de Christ, qui sont les assurances de vos relations, qui sont les assurances de vos connexions. Les assurances de vos connexions ne sont pas stables. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Ça entraîne des malheurs. Ça entraîne des malheurs. Parce que lorsque ton oncle ne t'a pas reçu, amen. Quelqu'un m'a dit, mais il faut prier. J'ai dit, mais il faut prier. J'ai dit, il faut te prier pourquoi? Il dit, mais c'est mon frère même qui est le ministre. Il faut prier que Dieu incline son cœur. J'ai dit, tu vois, tu n'as pas la foi pour avoir le poste. Parce que tu mets ta confiance. Oh, le monsieur qui est là-bas, peut-être qu'il a un autre intérêt. Et il n'a pas intérêt à te placer là. Parce qu'il sait que si tu as ce poste-là, tu vas voir ce qu'il ne veut pas que tu vois. Voyez, vous êtes trop proche. Et tu dis, allez dire, c'est ton beau-frère, mais au travail, tu veux qu'il te nomme son assistant. Mais si tu arrives là-bas, tu vas voir qu'il trompe ta soeur, ton beau-frère. Non, il ne veut pas que tu rentres. Toi, tu étais convaincu qu'il allait te mettre là-bas. Oh, lui, il ne veut pas. Pourquoi? Malheur à toi. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Faut pas. Les gens, ils ont des intérêts bizarres. Donc, tu ne sais pas ce que les gens cachent et pourquoi ils n'ont pas envie de te placer. Et puis, il y a des gens qui ne voulaient pas enlever. Il dit ça, je t'assure, j'ai le diplôme, il va me positionner là. Et quand je suis rentré dans l'affaire, j'ai compris qu'en fait, il ne voulait pas enlever l'ancien pour mettre le frère. Parce que l'ancien était là, de la manière dont il lui donnait l'argent. C'est-à-dire que quand il a le travail comme ça, il vient. Dès qu'il a le... Vous savez, ça s'entraide, hein, les gens. Bon, ce n'est pas des entraides, mais... Donc, quand un ministre comme ça a trouvé, ou bien quelqu'un a trouvé ces bons gars qui gèrent ces dossiers, frère, il n'a pas envie que toi... Même si tu as le diplôme, même si vous êtes parenté, tu comprends? Donc, vous ne pouvez pas établir, dire que vous allez être riche en mettant votre foi dans des hommes. Donc, si tu penses à quelqu'un quand on parle de la foi spécifique, c'est que ce n'est pas la foi de l'avoir. Tu as une assurance qui n'est pas la bonne assurance. Ce n'est pas la bonne assurance. Il faut commencer à rechercher et à écouter la parole de Dieu. La deuxième chose que ce livre dont se parle ici, j'appelle ça les témoins. Comment on développe la foi spécifique? En règle générale, il y a les témoins. C'est quoi on appelle les témoins? La Bible, j'ai parlé de la nuée des témoins. Les témoins, c'est des personnes qui avec Dieu ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Il faut les fréquenter, il faut les lire, il faut lire les histoires. Ah oui. Amen. 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 La Bible dit, considérez ceux qui vous ont dévancé dans la foi et imitez leur foi. Considérez vos dévancés dans la foi et imitez leur foi. Si tu veux être guéri, si tu veux la foi de la guérison, écoute, si tu veux la foi pour te marier au-delà de 50 ans, écoute les témoignages des femmes qui sont mariées. Si tu veux avoir un enfant au-delà de 60 ans, faut écouter. La Bible dit que pendant que le paralytique, l'impotent, écoutait. Il a développé la foi de la guérison. L'écoute.
La Bible dit un homme important qui n'avait jamais marché. Jamais marché, ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas s'appuyer sur son expérience d'avoir marché hier. Jamais marché, ça veut dire il n'a jamais expérimenté la marche. Il ne pouvait avoir de l'assurance que dans ce que Paul était en train de dire. Et Paul était en train de parler. Peut-être il rendait des témoignages du Jésus qui guérit, du Jésus qui délivre. Et il écoutait attentivement. Il dit, ce Jésus peut faire ça. Jésus a guéri. Jésus a ressuscité des morts. Et pendant qu'il entendait, il entendait l'espoir. Et ça développait en lui cette assurance. C'est ce que tu dois faire. Amen. Amen. Est-ce que tu as des témoins, des nuées de témoins dans le domaine dans lequel tu veux développer la foi? Donc là, je suis en train de développer. J'ai déjà cité par exemple les 5 types de foi là. C'est des exemples que je prends. Amen. Amen. C'est ce qu'on vous raconte. On dit par exemple Marie. L'ange vient lui dire qu'elle va avoir un enfant miraculeux. Donc, dans la période, elle est partie voir Élisabeth, sa cousine, qui, elle, dans son vieil âge, était tombée enceinte. Donc, elle aussi, elle a une grossesse miraculeuse. Donc, elle est partie la fréquenter parce que voir les témoins, ceux qui t'ont devancé, ça monte ta foi. Et ça développe l'assurance de ta foi. C'est comme si tu te dis, si Dieu l'a fait pour tel, il peut le faire pour moi. Et à force de te dire ça en toi, ça fait tourner quelque chose en toi et ça te donne la foi spécifique pour cela. Vous devez apprendre à fréquenter pas les païens qui ont réussi, pas les sorciers qui ont réussi dans un domaine, pas les tricheurs, parce que votre foi n'est pas basée sur la tricherie. Si tu marches avec des gens, parce que la foi vient de Christ, vient de la parole de Christ, mais si tu marches avec des gens pour te dire, moi pour réussir ici, j'ai soudoyé, moi pour réussir là, j'ai fait comme ceci, pour réussir là, la fille te dit, pour avoir l'argent là, vrai, j'ai dû sortir avec le monsieur là, hein. C'est elle là, tu marches. Les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. Quitte-la, parce que ce n'est pas la foi, ça c'est l'enfer, tu es en train de chercher. Alléluia. Alors, je ne sais pas bien votre amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a Internet. Tu vas témoignage d'une femme qui a eu des enfants après 60 ans. Et puis tu lis, tu écoutes. Tu écoutes. Ça va faire quelque chose. Il y a des gens que Dieu visite par des miracles pour que tu écoutes. C'est ce qu'on appelle regarder vos devanciers. Ça veut dire que... Et imiter leur foi, dit l'Écriture. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui ce que tu cherches l'a arrivé avant toi. Il faut prendre le temps de les observer. J'ai lu, vous pouvez imaginer, si vous rentrez dans ma bibliothèque à la maison, le nombre de biographies, c'est impressionnant. J'ai toutes sortes de biographies. Quand je veux développer la foi pour faire des miracles, c'est simple, hein? Je prends ma Bible, puis je commence à lire les miracles de Jésus. Bam, bam. Je lis comme ça, allez, retour. Là, comme ça, là, je m'en vais au village. Là. Ah, je suis là-dessus. Ça tourne dans ma maison, dans ma tête. Et inconsciemment, c'est en train de télécharger la foi pour que je guérisse les malades. Si je veux la foi pour prospérer dans l'église, avoir une église croissante, vous allez voir que ces derniers temps-là, je lis beaucoup Bishop Dag. Parce qu'il a la foi. Il a eu la foi pour avoir une église dans le monde entier. Et il a eu la foi pour organiser des croisades en même temps. Donc en le lisant, je développe mon assurance et la foi spécifique pour opérer là-dedans. Mais ce n'est pas la même foi là qui fait marcher les paralytiques. Ça, c'est la foi qui fait grande église. Amen, 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 amen. Il faut être humble pour écouter beaucoup de gens. Il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. Soyez humble. Il faut de l'humilité pour aller apprendre. Amen. 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 Si tu veux, par exemple, supposons même que tu es dans un domaine, tu veux prospérer, je vais dire comme ça, dans... l'aménagement, la décoration. Bon, là, ce n'est pas forcément en tant que chrétien. Est-ce que tu sais que tu dois regarder ceux qui t'ont devancé? Tu sais que tu dois parcourir les magazines? Plus tu vas parcourir leurs magazines d'aménagement, plus toi, tu vas recevoir une révélation spécifique à l'aménagement. Tu ne peux pas avoir la foi pour créer des aménagements spéciaux si tu te sens, tu as une inspiration qui vient du ciel direct. Tu es unique en ton genre, Dieu parle directement à toi, tu vas...
tu es orgueilleux et tu ne vas rien recevoir du ciel. La foi spécifique est développée par l'art de l'écoute, par l'art de fréquenter et de rentrer dans son oreille, dans ceux qui ont réussi dans tes valeurs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Qui ont réussi dans l'esprit de tes valeurs, de ce que Dieu veut faire avec toi et de ce que tu sais que, dont tu as besoin de recevoir. Amen. Donc, on va prier pour ce point. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi, on va prier. L'apôtre Paul, il y a un passage, il dit à un de ses fils, il dit, quand tu reviens là, viens avec mon manteau. Il dit, mais surtout, viens avec les parchemins. Le grand apôtre Paul lisait beaucoup. J'ai été surpris une fois, je suis tombé sur une vidéo de Bill Gates. Et il était en train de partager avec les gens les livres qu'il avait lus. Et il lit des livres sur le management. Il lit des livres sur la gestion. Il lit des livres de romans. Il lit. Je dis, mais est-ce qu'il y a un meilleur manager que toi? Est-ce qu'il y a un meilleur manager que toi? Tu as pris une entreprise de rien, de petit. Et tu l'as menée à devenir une des plus grandes structures au monde, qui est plus riche que des nations. Qui va t'apprendre quoi? Mais ils ont toujours l'humilité de lire. Est-ce que vous savez que c'est vrai que c'est de la paresse, mais ça devient quelquefois une forme d'orgueil de penser que on peut réussir sans s'informer, sans écouter. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de penser que Dieu va te faire prospérer si tu n'écoutes pas les gens qui ont réussi dans ton domaine. Tu peux pas développer la foi. Le manque, le fait que beaucoup d'Africains n'aiment pas lire, c'est une grande tare, c'est un grave problème. C'est quelque chose de très grave. Ce n'est pas une petite affaire. Ça explique largement pourquoi il n'y a pas de milliardaires en dollars. La majorité des personnes n'ont jamais lu d'ouvrages de personnes qui ont réussi dans le commerce. De la restauration, tu n'es pas informé. Tu te lances dans une aventure et tu crois que Dieu va t'envoyer la grâce pour réussir dans ton commerce à locaux. Mais tu n'as pas la foi pour recevoir cette grâce. Pourquoi tu n'as pas la foi? Parce qu'il y a quelque chose que tu n'entends pas. Et parce que tes oreilles vont fermer. Le pasteur va te dire, lis, prends ton livre, lis, écoute. Ah, j'ai pas le temps. Mais en même temps, tu manques. Donc quand j'arrive ici là, je libère les paroles de connaissance. Je vois une grâce. Tu vas avoir un bateau. Amen. Quand vous avez dit Amen là, Amen reçoit un esprit. Mais pour que ça devienne réel, il faut que, si tu sais que Dieu va faire ça dans ta vie, il faut orienter tes oreilles et ta lecture pour développer la foi spécifique. Sinon, les faveurs sont là. Quand je vous regarde, je vois la grâce et la promotion. Je vois des élévations. Je vois les mariages. Je vois toutes les années, Dieu me montre ça. Et puis j'étais béni, j'étais rebéni même. Mais, est-ce que tu as l'humilité de payer le prix, d'écouter, de t'informer? Pendant que le paralytique écoutait, la foi pour être guéri s'est développé en lui. Ça, tout a démarré parce qu'il est en train d'écouter. Mais il y avait plusieurs qui écoutaient, qui n'ont pas reçu la foi d'être guéris. Hein. Au lieu d'écouter ce que Paul est en train de dire, ils ont dit, non, il n'a qu'à prier pour nous. Il n'a qu'à prier pour nous. Est-ce que vous avez dit, il a dit à tous les paralytiques, à tous les malades de s'élever? Non. La Bible dit, il a regardé, il dit, toi, lève-toi, prends ton lit. Lève-toi. Parce qu'il était le seul qui attendait, il était le seul qui avait développé ça. Les autres avaient d'autres problèmes. C'est pour ça que la faveur de Dieu arrive. Et puis il y a deux, trois personnes qui saisissent. On dit, ah, pasteur a prophétisé, il y a quelqu'un qui est à la maison. Et mon tour. Si tu veux que ton tour arrive, il faut développer la foi spécifique qui fait qu'on reçoit des maisons. Et pour recevoir la foi spécifique qui fait qu'on reçoit des maisons, on commence par écouter beaucoup. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils voient les mariages des autres, ça leur fait mal, ça leur rappelle qu'ils ne sont pas encore mariés. Ma fille, va, reste dans l'atmosphère où on parle des mariages. Même si tu ne connais pas les mariés, et puis un pasteur va prêcher là. Viens t'asseoir et puis écoute. Quand on dit, il y a le mariage, on va prêcher. Il ne faut pas aller à la fête seulement où on mange les gâteaux. Les gâteaux,
Et si on lance la fleur, on dit la prochaine là, ça donne pas le mariage. Tu peux plonger, attraper 44 fleurs. Ça ne développera pas en toi la foi pour recevoir le mariage. Amen. La foi pour recevoir le mariage se fait lors des cultes où on célèbre le mariage. Parce qu'il y a un prédicateur qui est là, qui est en train de parler sur le mariage. Qui est en train de parler sur le mariage. Il y en a quand on parle sur le mariage, ça leur fait mal. Ça veut dire que c'est comme quand tu lis l'histoire de quelqu'un qui est devenu milliardaire, ça te fait mal. Tu dis, quel jour moi je vais arriver là-bas? Et Dieu dit, tu es insensé. Parce qu'en lisant, tu développes l'écoute. Et tu développes l'écoute, tu développes la foi. Mais si écouter ça, ça te montre ta misère, c'est que tu es orgueilleux. Et ce que tu ne crois pas que tu vas le faire, tu dis, Dieu peut le faire sans passer par ça. Dieu peut le faire. Dieu ne peut pas le faire sans passer par ça. La Bible dit que celui qui n'a pas la foi, qui ne s'imagine pas. Ça veut dire, il ne faut même pas t'imaginer que tu recevras quoi que ce soit du Seigneur. Donc, quand j'ai dit tu auras des bateaux, arrête d'imaginer si tu n'es pas prêt à payer le prix de l'écoute. Arrête d'imaginer. Faut pas... La Bible dit que celui qui n'a pas la foi, qui n'imagine pas. Moi-même, j'ai prêché premier déterminant, l'imagination. Tu es autorisé à ne plus imaginer si tu n'es pas prêt à t'asseoir pour écouter. Alors, tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de l'humilité de l'écoute. L'humilité de l'écoute. L'humilité de l'écoute pour développer la foi. Brinda sorobara la sokata rianta rababrada serebara laka rababrada sarabara la glorianta rababa shabra yakata rianta rababrada sorobara la glorianta rababu brinda brada sorobara la glorianta rababa. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'écoute. Père, merci Père pour l'écoute. Merci Seigneur pour l'écoute. Merci mon Dieu. Brinda brada sorobara la glorianta rababa shanta rababa. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'exaltation au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclame Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. La foi chez moi pour avoir, que Dieu me donne les ressources de la grâce financière, matérielle, pour construire, pour réparer tous ces hôpitaux, pour faire tout ça, elle vient de quoi? J'ai lu, ça c'est ce qu'on appelle les devanciers. J'ai lu et relu, je ne sais plus combien de fois, l'histoire de George Miller. Un homme de Dieu, par qui Dieu, par la foi, s'est occupé de milliers, de dizaines de milliers d'orphelins par la foi. Et je lis ça, mais je ne savais pas que c'était en train de développer en moi. L'assurance. Et autant marqué, lorsque j'ai dit, Seigneur, on veut aller évangéliser. Dieu dit, je suis d'accord. On veut réparer tel hôpital. Tu te dis, d'accord, je venais de développer la foi pour recevoir les ressources. Les ressources arrivent. Il y a des gens qui amènent. C'est Dieu qui attire les gens vers toi. Ce n'est pas toi. Comment, pourquoi quand je lance l'appel, on dit non, c'est parce que tu connais. Ce n'est pas parce que je suis connu. Je connais beaucoup d'amis pasteurs. Je connais qu'un ami pasteur, j'étais surpris. Qu'une église plus grande que la nôtre, plus ancienne, et des milliardaires. Il m'a appelé, pasteur Zanoro, envoie-nous. Est-ce que tu peux m'aider même? M'envoyer des médecins? Parce que je veux faire aussi le volet social et médical. Et qu'il m'appelait, j'ai vu les demandes qu'il me faisait. J'étais étonné. Il n'a pas assez de médecins. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Et j'ai réalisé que malgré qu'il était grand dans l'œuvre, il n'avait pas la foi de ce domaine-là. J'ai dit, mais ah, donc ce n'est pas une affaire d'avoir une grande église. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la foi. Parce que la foi attire des personnes spécifiques. C'est-à-dire que Dieu te les envoie. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réceptionner. Amen. Et tu ne peux réceptionner que la spécificité dans laquelle tu as développé ta foi. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Tu ne peux pas recevoir la richesse si tu n'as pas développé la foi spécifique à la richesse. Tu ne peux pas sortir de la dette si tu n'as pas la foi qui fait sortir de la dette. Mais tu peux avoir d'autres solutions par rapport au type de foi que tu développes. Chacun d'entre nous a déjà développé des types de foi dans un domaine. Ce sont les domaines sur lesquels tu es. Tu as de l'assurance et de la sérénité. Mais là où tu sens un peu que tu paniques, n'aie pas honte. Dieu veut que tu développes cette foi. Aujourd'hui, tu vas la développer. Dis avec moi encore, Seigneur, donne-moi de développer le type de foi dont j'ai besoin maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Acclame Jésus, on peut se rasseoir. Alors, donc la première des choses, c'est l'écoute. L'écoute va travailler en vous l'espérance. Amen. L'écoute va travailler en vous la fermeté et l'assurance.
l'écoute de la parole, qu'est-ce que Dieu dit, ça va développer en vous. Mais tout ce côté-là est invisible. Ça se passe dans votre tête. Amen. Ça se passe en vous. Donc ça fait partie des trois premiers déterminants. Je dis que la Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ça, c'est du domaine de la pensée. Maintenant, la deuxième partie de Hébreux 11 nous dit, or la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration. Dis avec moi une démonstration. Les versions anglaises vont dire l'évidence, c'est-à-dire la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. C'est-à-dire la chose n'est pas encore là, mais il y a une attitude. Quelque chose démontré, c'est montré deux fois, en quelque sorte. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu, la foi pour développer le mariage par exemple, je n'ai pas encore vu mon fiancé, mais j'ai un comportement qui montre que je vais me fiancer et je vais me marier. Donc, toute foi spécifique a une phase démonstrative. Et c'est dans la partie démonstrative qu'on commence à voir les spécificités de la foi, c'est-à-dire la partie démonstrative. Vous la voyez dans tous les miracles de Jésus, la démonstration de ce qu'il n'a pas encore vu. Jésus dit, je vais nourrir la foule. Alors là, je vais parler de la foi. Pour ceux qui veulent devenir riches. Amen. Les démonstrations varient. Les démonstrations varient en fonction du type de miracle ou de grâce que tu t'attends. La partie démonstrative, là, elle va varier. La partie écoute, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que quelqu'un a compris en écoutant. Ça, c'est invisible. Mais la partie démonstrative, c'est ce que Paul a vu. C'est-à-dire que la Bible dit que quand il a regardé l'infirme, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, il n'était pas guéri, mais il avait une manière de se tenir qui était une preuve qu'à l'intérieur de lui, il savait qu'il allait marcher aujourd'hui. Ok? Donc, il y a une partie qui est visible. C'est ce que la foi est. La foi, c'est l'évidence, la démonstration. Donc, c'est cette partie-là qui est vraiment l'étape de la réception. Tant que vous ne démontrez pas, vous ne pouvez pas. La partie démonstrative, c'est le moment où la chose arrive dans votre main, dans le monde réel. La première partie, c'est juste de l'imaginaire, c'est juste des rêves et de l'espérance. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque Jésus-Christ va multiplier les 5 pains et les 2 poissons, il a une attitude démonstrative. Hein? On lui envoie les 5 pains et une fois qu'il a les pains dans la main, il demande qu'on organise la foule pour la distribution. On n'a pas encore les pains. On n'a pas encore les pains, mais il met en place une organisation de quelqu'un qui va recevoir les pains. Il a démontré ce qu'il n'a pas encore vu. Ok, ce que Dieu est en train de dire, c'est que quand tu veux la foi pour chercher du travail, il y a un moment donné, tu n'as pas encore eu le travail, mais ton attitude, ton comportement doit ressembler à quelqu'un qui travaille. Si tu ne passes pas à la phase où on te voit en train de faire comme si tu travailles, tu ne verras pas le travail. Amen. Donc, il y a des différentes démonstrations. Une femme qui veut se marier au-delà de 50 ans, il y a une démonstration qui va avec. Amen. Amen. Si, quelle est la différence entre la foi d'une femme qui va se marier à 20 ans, la foi de... Elles n'ont pas la même attitude. Il faut savoir que quand tu as 50 ans, il y a une autre manière d'être. Que Dieu t'accorde la démonstration. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ a fait organiser la foule avant que les pains se multiplient. Deuxième chose de sa démonstration, il a pris les 5 pains et il a dit merci. Le remerciement pour une chose qui n'est pas encore arrivée est une démonstration. C'est ce que j'ai appelé dans l'enseignement sur la recevoir les choses de Dieu, l'action de grâce. Il a dit merci pour une chose. Donc, quelqu'un qui va recevoir beaucoup, quand il va passer à la phase démonstrative, il a son humeur, son visage change. Souvenez-vous de Anne, elle n'avait pas d'enfant, mais quand elle est passée à la phase démonstrative, après qu'elle ait entendu le sacrificateur Élie lui dit, femme, Dieu t'a entendu, tu auras un enfant, la Bible dit, elle est partie, son visage ne fut plus jamais le même. Elle est rentrée triste, mais elle est devenue souriante sans être enceinte. Elle a commencé à développer, alléluia, à démontrer ce qu'elle n'avait pas encore vu. Que la démonstration soit ton partage dans le nom de Jésus.
Donc elle dansait comme une femme qui avait eu un enfant sans qu'elle ait eu l'enfant. Ça déclenche dans le monde réel. La démonstration est ce qui permet de passer de l'imaginaire au monde palpable. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Qui est prêt à recevoir? Qui est prêt à recevoir? Alléluia. Amen. Donc quel type de foi voulez-vous que je parle? Comment? La foi pour être riche, oui. La foi pour quoi encore? La foi pour être utilisée pour guérir les malades. Ok. Donc ça c'est une foi spécifique. Je veux toucher 5. La foi, qui veut quelque chose? Toi tu veux la foi de quoi? La foi pour voyager. La foi pour voyager pour tes études. Ok. Donc la foi pour aller étudier. Tu veux la foi pour aller étudier à l'étranger. Bon, est-ce que... Bon, si je suis inspiré, j'ai fait. Oui. La foi pour... La foi pour être une source de bénédiction. Ok. Ça va ressembler un peu à... C'est un peu le même type de foi que ceux qui vont recevoir... Ceux qui vont... Ok. Il n'y a personne qui dit la foi pour se marier au-delà de... Qui veut la foi de l'enfant? La foi pour avoir des enfants, c'est ça? Ok. Alors, ce type de foi-là, par exemple, ça va varier en fonction de l'âge. Amen. Ça va varier. Donc, je vais plutôt utiliser la foi lorsque l'âge naturel est passé. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez bon amen. Qui veut encore un type de foi? Oui. La foi pour entendre Dieu. Ça, c'est très bon, c'est très spirituel. Mais... Non, je veux un truc, tu vois, non? Concret, quoi. La foi, par exemple, pour avoir... Pour développer une opération immobilière et avoir beaucoup de maisons. OK? Ouais. La foi pour avoir la sagesse. Oui. Bon, c'est un peu virtuel, mais dans tout ça, il y a de la sagesse. Dans tout ça, il y a de la sagesse. Oui. La foi quoi? Être président de la République. La foi. J'aime ça. Amen. Qui est intéressé par ce type de foi? Ah! C'est quelle prière ça? Ma fille a dit, non, ça sa foi, hein? La foi pour être première dame. Tu? Donc, ça c'est la foi. Pour se marier à quelqu'un qui va devenir président. Hein? Ah là. Ma fille, je n'ai jamais pensé à ce genre de questions. Il y a la foi pour se marier, mais il y a la foi pour se marier à quelqu'un qui va devenir président. Hein? Donc la foi pour être une première dame. Saint-Esprit, explique-moi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ah, vraiment, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de types de foi. Hein? Ok, gloire à Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, tout le système se trouve au niveau de la partie visible, l'attitude que tu dois avoir. Amen. Quand tu as du temps, je vais citer comme ça et puis on va prendre des avions, on va prier. Ok. Alors, ces derniers temps, je prêche beaucoup sur ce sujet-là. Genèse chapitre 2. J'oublie encore le verset là. Verset 18, non? Non. Verset. Attends, je le trouve tout de suite. Hein? Genèse chapitre 2, verset 5. Ok? Il dit: lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre qu'il souffla. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et le verset 15 nous dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Alors ce passage est très intéressant parce qu'il nous explique le procédé de Dieu, la procédure de Dieu dans la gestion de la grâce. Et de l'homme qui va recevoir la grâce. Le texte commence, verset 5 nous dit que Dieu n'avait pas encore fait pousser les arbustes. Nous sommes en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1, le troisième jour de la création, Dieu a dit que les arbres poussent, que les plantes poussent. Dieu l'a déclaré. Et puis,
En Genèse chapitre 2, quand vous lisez bien, vous comprenez que c'est chronologique, c'est-à-dire que ça arrive après. On arrive en Genèse chapitre 2, Dieu dit, il n'y avait pas encore d'arbres. C'est-à-dire, il a dit qu'il y aura des arbres, mais il n'avait pas encore fait pousser les arbres. Ça veut dire que les arbres étaient là. Il dit, par exemple, il dit, Dieu n'avait pas fait, il dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Ça veut dire, l'herbe des champs était présente parce que germer, c'est différent de créer. Donc, il y avait, si tu veux, le germe, la base, mais ça ne poussait pas encore. Ok? Donc, les arbres fruitiers qu'il a annoncés n'étaient pas encore manifestés. Il a dit en Genèse 1 que la terre produise. Et cela a été fait dans le monde invisible. Mais ça n'a pas encore été manifesté. Ok? Et Dieu va dire, ça n'a pas été manifesté pour deux raisons. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a prophétisé toi que tu vas bâtir des grandes entreprises. Dieu a prophétisé, tu as vu ton mariage, tu as vu que tu étais marié à un chef d'État. Tu as vu tout ça. Tu as vu, qui a vu quoi encore? Toi, tu veux devenir président. Tu as vu que tu dirigeais un pays. Tu veux te marier au-delà de 50 ans. Tu as vu que tu allais encore te marier. Tu as vu, quand tu as vu et que tu as eu la paix de Dieu en voyant cette vision, c'est fort probable que Dieu, la grâce t'a été envoyée du ciel. Ok? Mais maintenant, le mariage n'est pas encore visible. La présidence semble inatteignable. Tu ne vois pas par quel chemin même tu vas y arriver. Marier le futur président semble inaccessible. En fait, tu ne sais même pas même qui sera le futur président. Donc, comment tu vas? Bon, bref. En tout cas, devenir riche par rapport à ta situation actuelle, un milliardaire qui va acheter les bateaux, comme j'ai prophétisé les avions la dernière fois, tu ne vois pas comment passer en ce moment. Tu es en train de te battre même pour t'en sortir dans des petites choses. Ok? Donc, ce que Dieu dit n'est pas d'abord manifeste. Ce que Dieu promet est d'abord de l'esprit. Maintenant, il explique ici comment est-ce qu'il a amené cela à réalisation. Il dit, il y a deux choses qui ont fait que la chose, que les arbres ne poussaient pas encore. J'ai promis des arbres, mais ils n'étaient pas encore là parce que je n'avais pas fait pleuvoir. Dis avec moi, fait pleuvoir. Amen. Et la deuxième chose, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Il a dit quoi? Aucun abus des champs ne poussait encore. Car, conjonction de coordination, aucun habit de champ n'était encore sur la terre. Ça dit c'était là, mais ce n'était pas sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car, donc conjonction de coordination, pour expliquer pourquoi. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, première condition. Et deuxième, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ça ne veut pas dire que Adam n'existait pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cultivateur. C'est ce qu'il a tenté d'expliquer. Il y avait un homme, mais il ne savait pas cultiver. Quelqu'un me suit? Le texte ne dit pas « il n'y avait pas d'homme ». Il dit « il n'y avait pas d'homme pour cultiver ». Donc, ce qui veut faire ressortir, ce n'est pas l'existence de l'homme, c'est plutôt la compétence de l'homme à faire la culture. Donc, Dieu ne donne pas des arbres parce que la grâce pour faire pousser les arbres n'est pas encore là. Et deuxième condition, l'homme n'a pas les capacités de cultiver cet arbre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le texte continue en disant, pour résoudre le problème, une vapeur s'est élevée du sol, de la terre, et elle a envoyé la pluie. Amen. On a appris ça à l'école primaire. Hier, j'étais avec les Blooms, ils m'ont dit que c'est au C1, on apprend ça. Amen. Parce que j'ai posé la question hier à un programme, à des adultes. Personne n'a pu me dire ce nom-là. Ce qu'on a pris au ciel, quand la vapeur monte pour faire tomber la pluie, qui se souvient du nom? Non, donc il y a un enfant de ceux qui s'est levé et il m'a dit, il y a plusieurs phénomènes, pasteur. Un, la vaporisation. Deux, la condensation. Et puis trois, il m'a dit autre chose, j'ai déjà oublié. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. J'ai dit, j'ai posé la question au tonton, là, tout le monde était là. J'ai dit, les gars, comment on appelait ça à l'école primaire? Il dit, quand la vapeur monte et puis ça donne la pluie, là, on a donné ça un nom. Tout le monde avait oublié. Est-ce que tu te souviens? Non, quand on dit, tu comprends. Ok, donc vaporisation, condensation, et puis la pluie. Précipitation. Ok. Bon, en tout cas, quelque chose. Amen. Donc, Dieu, pour résoudre ça, a utilisé donc ce phénomène-là. Il a fait de la vapeur, il a fait monter la vapeur et il a fait tomber la pluie. Et j'ai fait remarquer, je le toucherai certainement dimanche prochain,
que la pluie ouverte, la faveur, là, c'est ce qu'on appelle, c'est la grâce. Dieu avait déjà mis de l'eau en haut. Mais, regardez cette phrase, il dit, la vapeur est montée de la terre. Il y a de l'eau en haut, mais Dieu n'a pas fait venir l'eau directement du haut. C'est la terre qui a provoqué le ciel. La terre a provoqué le ciel. Les Écritures disent, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire que il y a quelque chose que tu dois faire pour que le ciel, amen, pour recevoir la pluie. Alors la pluie c'est quoi? Enfin la pluie c'est quoi? C'est la révélation, c'est la grâce, c'est la force, c'est l'orientation. La pluie c'est la partie qui ne dépend pas de vous. La pluie c'est la partie qui dépend, directement du ciel. Parce que au milieu de tous les hommes de l'église, parce que le frère qui sera présent, il est dans l'église quelque part, au milieu de tous ses frères, comment tu vas le discerner? C'est la vapeur qui va faire ça. Amen. Mais c'est toi qui la déclenches parce qu'elle part à partir de la terre. Que Dieu vous accorde la grâce de savoir déclencher la vapeur du ciel. Que Dieu vous accorde la grâce de développer la pluie qui va venir arroser votre entreprise. Si Dieu te promet une entreprise qui va venir milliardaire, c'est que tout le long de ton processus d'avancée de ton entreprise, il y a une faveur spécifique qui va venir à ton projet. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par grâce que quand je vois nos frères médecins qui vont travailler, j'ai une vision. Aider les malades. Mais regardez les compétences que Dieu a attirées. Où je les ai prises? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Bon, un docteur vous dit que si. Vraiment, regardez. C'est une grande bénédiction. Docteur Djoko. Vraiment. Mais, amen. Des gens comme ça qui ont le cœur. Regardez, avec toutes ses occupations. Il s'est levé. Il est parti faire. Vous avez fait combien de jours au Soudan? Au Sud-Soudan. Il est parti faire 11 jours au Sud-Soudan. Mais si ce n'est pas la grâce, comment? Moi, Mohamed Sanogo, je peux avoir un chirurgien de ce niveau qui aime l'œuvre, qui est prêt à quitter ses activités. Allez, je viens, moi j'ai prié, je dis, je sens qu'on doit aller être une bénédiction pour le Sud-Soudan, un pays lointain. Je ne suis jamais arrivé, je n'ai même pas d'amis sud-soudanais. Mais je reçois ça. Mais comment tu vas trouver des personnes comme ça? C'est le ciel qui va faire ça. Amen. Le ciel a un paramètre. Tu sais, même quand tu vas devenir multimilliardaire, Dieu va t'envoyer un gestionnaire. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Quand tu vas conduire des. Tu sens que Dieu va te bénir dans le transport en mettant des véhicules de transport. La grâce va attirer des bons chauffeurs. La grâce va attirer des gens compétents. La grâce, ça c'est le ciel. Ça c'est le ciel. C'est le ciel. Que le ciel s'ouvre et que t'attire les gens qui sont indispensables pour réaliser ta destinée. Que la vapeur monte du ciel et provoque les monte de la terre, pardon, et provoque la faveur et la grâce pour réaliser ce que Dieu veut réaliser avec toi. Quelqu'un donne un bon amen. La chaleur de ton amen déterminera la qualité de la pluie. Alléluia. La Bible dit. Une vapeur chaude, c'est-à-dire c'est pas la vapeur là, c'est pas, c'est-à-dire il y a quelque chose de chaud. Bon, ça je vais les traiter plusieurs fois. Comment on déclenche la vapeur? Amen. Que Dieu te bénisse pour cela. Alléluia. Là c'est ton côté de la gestion de la grâce. Et maintenant il dit ceci, la deuxième chose qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Et la réponse à l'absence de l'homme pour cultiver, c'est écrit dans ce verset. Il est dit Dieu forma. Il a dit, Dieu prit. Non, ça c'est le verset 15. Regarde le verset 7. Il a dit quoi? Lisons ensemble. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Vous savez, à l'époque, quand on lisait ce passage, on pensait que Dieu avait créé l'homme ici. Dieu n'a pas créé l'homme. Ici, le mot qui est utilisé, c'est le mot former. Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Là, c'est la création. Ici, c'est de la formation. L'homme existe, mais il n'est pas formé pour faire la culture. Donc, Dieu l'a formé. Il lui a donné une forme pour être capable
d'interagir avec les plantes. De pouvoir prendre un outil. Parce que l'homme est créé un esprit. Donc il a pris l'argile pour lui donner une forme. Ça veut dire quoi? Que tant que tu n'as pas la forme pour recevoir une chose de Dieu qu'il a promise, Dieu ne te la donne pas. Je reprends. Tant que tu n'as pas la forme, c'est-à-dire, si Dieu veut te donner des milliards, Dieu ne te donnera pas l'entreprise qui produit les milliards si tu n'as pas la forme d'un milliardaire. Si tu as la forme d'un 100 000 francs, je dis, je vois ma fille que tu as des entreprises dans le monde entier. Amen. Je vois que tu ouvres. Amen. Tu vois, tu cries amen jusqu'à fatiguer. Tu dis, papa, c'est vrai. Moi-même, quand je priais, j'ai vu ça en rêve. C'est vrai. Mais la Bible dit, aucun abus des champs n'avait poussé parce que l'homme n'avait pas la forme. Donc, aussi longtemps que tu n'auras pas la forme, ce projet restera de l'espoir, du rêve et ne va pas venir sur la terre. Aussi longtemps que tu n'auras pas la forme. Il faut avoir la forme. Amen. Alors, c'est ce qu'on appelle la démonstration. La démonstration, c'est prendre la forme de ce qu'on attend. Jésus veut distribuer la nourriture à la foule. Il organise la foule pour réceptionner les pains. Amen, amen, amen. Alléluia. Lorsque Dieu a visité maman Marie, pas maman Marie, Sarah, maman Sarah, l'ange arrive la voir. Il dit, l'année prochaine, à cette période, tu vas avoir un enfant. C'est que maman Sarah a dit là. C'est pourquoi on dit, ce sont des hommes de foi. On dit, Sarah a eu la foi. Vous comprenez sa foi, ce qu'elle a fait? C'est la phrase qu'elle a dite à Jésus, à Dieu. Elle dit, comment mon mari est fatigué par l'âge? Moi aussi, je suis vieille. Ça veut dire, les deux là même ne se touchaient plus. Hébreu nous dit qu'un homme sans force, donc Abraham avait perdu toute puissance. Et ça faisait peut-être, parce que les deux avaient près de 100 ans. Peut-être ça faisait 40 ans. Non, pas 40 ans quand même. 10 ans, 20 ans. Ils dormaient seulement dans leur lit. Ils dormaient seulement. Et puis après, Dieu vient lui dire, elle a dit la phrase, elle a utilisé un thème qui veut dire, elle a dit, devrais-je repartir en Éden? Le mot hébreu qui est là, c'est un mot Éden. Mais c'est différent de Éden, du jardin d'Éden. Mais c'est tout comme. Ça s'écrit de la même manière, mais c'est, ça a une forme différente. Ça veut dire, elle est en train de dire, est-ce que je vais me reconditionner? Je vais me reformater pour être une femme capable d'accueillir un enfant. Donc, maman Sarah, lorsque Dieu lui a dit qu'elle allait avoir un enfant, elle a changé sa forme. Parce que où elle était là, elle avait une forme d'arrière-grand-mère. Pas une forme de maman. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Tu dois avoir la forme de ce que tu dois avoir. Alléluia. De ce que tu veux avoir. Tu dois avoir la forme. Et toutes les démonstrations se situent dans ce axe-là. Toutes les démonstrations se situent dans ce axe. La forme qu'on va prendre. La forme qu'on va prendre. La foi spécifique pour avoir du travail. Je prie, Seigneur, donne-moi du travail. Accorde-moi la grâce du travail. Dieu te dit, je vais le faire. Tu es au chômage. Tu commences à prendre la forme d'un travailleur sans que tu aies eu le travail. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 10 heures. Dieu ne te donnera pas le travail si tu dors jusqu'à 10 heures. Tu n'as pas la bonne forme. Tant que tu ne seras pas formé, ça ne marchera pas. Ok? Tu dois changer ta forme. Tu dois changer tes habitudes. Tu dois commencer à te comporter comme un travailleur. À avoir le comportement d'un travailleur. Il faut toujours la forme. Et à un moment, quelqu'un est venu me vendre un champ de cacao. J'ai voulu faire du cacao. Alléluia. Mais j'ai dit que Dieu soit béni. Parce que moi-même, je veux faire du chocolat. Vous savez que je fais du chocolat, non? Hein, j'ai un chocolat, j'ai mon chocolat. Amen. Et j'ai dit, non, ça c'est un rêve. Je vais faire le chocolat. Mais j'ai une forme. J'ai une forme pastorale. Prophétique, apostolique. Je n'ai pas la forme d'un agriculteur. Ce qui devait arriver, arriva. Au lieu que mon rêve de voir l'usine commencer à prendre place, ce que j'ai hérité, tout mon champ est mort. Pourquoi c'est mort? Parce que tu avais prévu me donner un champ, mais je n'avais pas la forme de gérer un champ.
J'ai la forme de prêcher. Vous savez, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que l'onction allait faire la différence. J'ai prié pour les plantes. J'ai appelé les travailleurs. Je prie pour vous. L'onction. Frère. La forme pour prêcher. Amen. Et la forme pour recevoir un chant, c'est pas pareil. Non. Tout est mort. Vous savez, il y a des choses, Dieu vous dit que vous allez faire, mais vous n'avez pas la forme pour faire ça. Vous savez que, par exemple, quelqu'un qui est formé pour être... Vous savez qu'à l'école, on apprend aux gens à être des employés. Oui. Le système scolaire forme des employés d'entreprise. Ça ne forme pas des chefs d'entreprise. Si on devait former les chefs d'entreprise depuis l'école primaire, on allait apprendre déjà... depuis l'école primaire, on allait apprendre la gestion. Depuis l'école primaire, on allait apprendre les bases. Mais parce qu'on nous apprend pour qu'on soit travailler chez les employés. Donc là, beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils sont des hauts cadres que quand ils vont rentrer dans l'entrepreneuriat, ça va marcher. Erreur fatale. Tu as la forme pour être un employé. Si tu veux, pour être cadre supérieur. Mais tu n'as pas la forme pour commencer à gérer une entreprise. Vous priez pour que Dieu bénisse votre commerce. Est-ce que tu as la forme? Comment on a la forme? En s'informant, en se formant. Dieu a formé. Alléluia. On continue, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais terminer les 5 minutes. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça peut aller. Mais tu as déjà compris, non? Tu as déjà compris. Je t'assure que si quelque chose n'arrive pas dans ta vie pendant que Dieu t'a promis, il est fort probable que tu n'as pas encore la forme. Et il faut que tu aies l'humilité de dire à Dieu, si tu ne me donnes pas ce que tu m'as promis, peut-être que je n'ai pas la forme. Donc arrêtez de croire que... Parce que c'est pourquoi le serviteur qui n'a pas développé son don, Dieu l'appelle méchant. Arrêtez de croire que Dieu est méchant. Dieu ne te donne pas l'argent parce qu'il n'a pas envie de te donner. Pourquoi raison? Ton argent va faire quoi? Et puis ça, Dieu est avare. Tu n'as pas la forme. Tu sais, tu as quelle forme? Tu as une forme d'un mauvais gestionnaire. Tu as une forme de quelqu'un qui ne sait pas faire de l'épargne. Tu as une forme de quelqu'un qui aime dépenser. C'est pour ça qu'il ne te donne pas l'argent. Mais tu n'as pas envie d'aller t'asseoir dans une école ou bien aller travailler auprès d'une personne qui a réussi dans les affaires. Tu veux commencer l'immobilier. Tu t'assieds auprès d'un gars qui est dans l'immobilier. Tu as dit non, je vais commencer taxi. Tu as dit taxi Yango. Toi, tu as la forme. Tu as la forme de faire quoi? Hein? La plupart des frères sont lancés dans des taxis. Ils ont fermé. Pourtant, ils ont gêné, prié, Rikata Rababa. Ils sont venus me dire, pasteur, voici ma première voiture, prie pour la voiture. Je lui ai dit, est-ce que tu as la forme? Il dit, non, elle a gradué, ça va aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Tu connais le rite de réparation, comment on traite, comment on épargne, qu'est-ce que c'est? Il faut juste avoir l'humilité avant d'aller acheter ta voiture, d'aller gaspiller cet argent-là. Et l'humilité d'aller voir quelqu'un qui va t'informer. Et de t'asseoir au moins dans un taxi, de voir les entrées deux fois, trois fois, quatre fois, sois humble. Arrêtez d'être paresseux et d'écouter les gens. Non, si tu prends ça, Yango, ça te crée tel bénéfice par mois, tel bénéfice, tu vas amortir. Tout ça, c'est de l'imagination. Quand tu vas commencer, tu vas te rendre compte qu'il y a une forme pour ça. Amen. Les gens ont l'impression que Dieu est méchant, que Dieu n'exauce pas, que le pasteur nous bénit, nous enfants ne marchent pas. Tu n'as pas la forme. Tu as une vieille forme de quelque chose d'autre, mais tu n'as pas la forme. Tu me ressembles à moi qui veux me lancer dans l'agriculture sans la forme. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, je n'ai pas renié ma parole à cause de toi. Donc j'ai eu l'humilité, j'ai appelé un ingénieur agronome. Je me suis assis. Explique-moi. M'expliquer jusqu'à ce que ça m'a embrouillé. Je dis, bon. Il dit, mon gars, moi je suis un prédicateur, tu comprends? Je vais embaucher quelqu'un, hein? J'ai compris le minimum qu'il fallait, puis bon, je vais prendre quelqu'un qui va m'aider. C'est comme ça. Alléluia. Donc, s'il y a des miracles que tu n'as pas encore fait dans votre vie, c'est un problème de forme. Vous n'êtes pas encore formé. Ce que Dieu a vu avec le malade qui a été guéri, c'est que visiblement, il a commencé à poser des gestes qui montraient qu'il allait être guéri. Que de la faveur de Dieu soit avec toi. Qu'on ait l'humilité de s'informer. La foi spécifique arrive parce qu'on prend la forme spécifique de ce que Dieu va faire avec nous. Je vois Dieu faire de grandes choses avec toi. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets extraordinaires. La main bienveillante de Dieu est sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Père. Alléluia. Voilà comme je... Est-ce que j'ai développé tout ça là? Donc, marquez sa première partie. Amen. Après, la foi pour être prospère, la foi pour se marier, jeune et ancien, la foi pour avoir du travail.
Mais j'ai quand même touché un peu la foi pour avoir du travail. Et la foi pourrait être un instrument dans les mains de Dieu. Comment est-ce qu'on devient? Dieu, tu utilises et puis tu as une bénédiction pour les autres. Il faut un type de foi pour ça aussi. Il y en a qui ont la foi juste pour recevoir, pour être guéri. Il y en a, il faut la foi aussi pour guérir d'autres personnes. Il faut la foi pour aider d'autres personnes. Ce n'est pas le même type de foi. Que la main du Seigneur soit avec toi et que Dieu te accorde la grâce de développer le type de foi qui va faire la différence et qui va te permettre de recevoir toutes les grâces que le Dieu t'envoie du ciel au nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Qui a été béni par la parole? Acclame Jésus.